Je suis technico-réalisateur. Tout ce que vous entendez passe obligatoirement dans ce studio. Il faut être dynamique, être tout le temps sur la balle, comme on dit, et anticiper les choses. Donc là, je vais mettre un petit jingle, un petit habillage pour illustrer cette petite chronique. Hop. Un jour en France. Alors, Yves, tu me disais. L'Algérien, et j'ai directement Alba. Je récupère et après tu chantes tranquillement avec, parce que je parle sur des voix. Ouais, d'accord. Non, pas réalité, la moindre avancée. Allô, une situation. Voilà, donc ça va être à vous avec Yves Calvi, d'accord? Bonjour Sabrine. Bonjour Yves. Donc chaque chroniqueur a un temps imparti pour faire sa chronique. Et c'est mon rôle aussi de moi de lui dire attention, on arrive à la fin, attention, c'est fini. Ce qui est important, c'est qu'on dialogue beaucoup hors antenne avec Yves Calvi. On fait Michel Simès à suivre. Hein, voilà. Voilà, donc là je lui parle dans sa petite oreillette. Je lui dis toujours ce qui doit se passer après. RTL, il est 7h30. Le meilleur café, c'est celui de 7h50, voilà, pendant l'invité. Alors, là on voit qu'il reste 10 secondes de l'élément enregistré. J'appuie sur ce petit bouton pour prévenir dans le studio que l'élément va se terminer. Et attention, au bout de 3, 2, 1, top les micros. Quand on construit l'émission le matin, c'est de l'écrit. Et après, il peut se passer plein de choses. On est sans filet en permanence. J'en appelle à mon petit frère Emmanuel Macron qui aura, j'espère, la même bonté que sa sœur. Sa sœur. Sœur Emmanuel. Passez une excellente journée. Bon, c'est parfait, hein? C'était même pas bien. Avec Laurent, là, la finale. Top. Allez, à demain.